Et figurez-vous que ça a fait venir Almaké qui vient à peine d'arriver. Il est là avec nous, il s'est installé avec plusieurs musiciens. Ils sont trois qui l'accompagnent. Bonjour Al. Alors on a une traductrice quand même. Hein. Hi Al. Hello. Alors je vais me tourner vers Astrid qui va donc traduire. Est-ce qu'il sait aujourd'hui en fait que la musique Dance with Fire, elle a accompagné chaque Française et chaque Français chaque semaine dans les années 80? Do you know that during the 80s in France, your music was part of everybody in France, everybody's life in France on TV? Do you know why? With a special, with a very special tune. Écoutez cette musique. En fait, si vous nous écoutez, vous pouvez monter un peu le son, la musique. On va écouter un petit peu plus. C'est le générique, vous accompagnez des semaines entières dans les années 80. Je vais les écouter. Voilà, c'était le générique en fait du dimanche soir du film, du dimanche soir sur la première chaîne. Comme quoi, effectivement, on connaît tous les tubes Dance with Fire, mais malgré tout, il y a certains qu'on connaît un petit peu moins, et on connaît forcément la musique. Al, bienvenue. Welcome. Thank you. Vous êtes originaire de la Nouvelle-Orléans, c'est cela? You come from New Orleans, right? Yes. Et le groupe donc Earth, Wind & Fire a été fondé à Chicago d'après mes informations. The band Earth, Wind & Fire was created in Chicago, is that right? Yes, Chicago. Alors, pouvez-vous nous raconter un petit peu comment s'est passé les débuts puisque vous habitez encore sur la Louisiane actuellement? Can you tell us how the band started? Well, actually, the band in Chicago started before me. Before this band, there were Warner Brothers. There was two albums prior before those CBS recordings. I was on the second album at CBS. Il y avait déjà eu deux albums avant que Al arrive sur le groupe, mm-hmm. avant le groupe de Chicago. Right, and the first album was Head to the Sky, and that was the new band, The Earth, Wind & Fire, that you know now. As now, that was probably the biggest record that they had at that time. So the band proved to be a strong band, and Maurice proved to be a great musician and writer. Le groupe était un groupe absolument extraordinaire qui l'a prouvé avec le temps et qui a prouvé sa solidité et qui a réussi dans les années 80 à faire des tubes qui n'ont pas été refaits depuis. Alors Almaké a démarré effectivement aussi sa carrière en tant que guitariste. Il est guitariste. Started as a guitar player. Yes, actually I started as a drummer. Oh, il a commencé en tant que batteur. Et vous avez commencé avec des gens très connus, et notamment un duo très connu aux États-Unis. You started with a very famous trio. Very famous trio. A long time ago. A long time ago. I can't remember which trio that was. There were so many, but I played with a lot of people before Earth, Wind & Fire. J'ai entendu parler qu'il a démarré avec Ike and Tina Turner. Oh, you started with Ike and Tina Turner. Ike and Tina Turner was my first, professional. Ça a été son premier job en tant que professionnel. Alors il existe aux États-Unis une émission qui s'appelle Soul Train. Soul Train, the program Soul Train. Soul Train, qui était présenté à l'époque. Alors c'était un animateur très connu aux États-Unis qui s'appelle Don Cornelius. Et vous êtes forcément passé des dizaines et des dizaines de fois dans cette émission. How many times did you go to Soul Train with Don Cornelius? Don Cornelius, maybe two or three times. Earth, Wind & Fire, I think we worked only once. Oh, une seule fois. Earth, Wind & Fire est passé une seule fois dans Soul Train. Et alors aujourd'hui, donc vous êtes aujourd'hui à Saint-Étienne, vous bougez beaucoup puisque je pense que vous étiez cette semaine. You move a lot. You are in Saint-Étienne today, but you move around a lot, right? Yes. As a musician, you mean, as a musician, yeah. En tant que musicien. Mm-hmm. Oui, parce qu'il était cette semaine, je pense, à Moscou. En fait, you were in Moscow this week? Non, il n'était pas à Moscou. No, but you're right, Moscow was cancelled. Moscow a été annulé. Alors ce soir, on va parler quand même de ce qu'on va pouvoir retrouver ce soir. C'est le principal avec vos musiciens. He wants to talk about what you're going to play tonight, what you're going to do tonight. Oui, we're going to play music. Nous allons jouer de la bonne musique. Just talk about the show. My name is Jim Owens. Hello. Hello. No, we're going to play all the songs that Mr. McKay wrote with Nous allons jouer toutes les chansons que Al McKay a écrites.
and all of the songs that were big hits for Earth, Wind and Fire. Toutes les chansons qui ont été de vrais hits pour Earth, Wind and Fire. And perhaps introduce the audience to some songs maybe they're not familiar with. Et nous allons également jouer des chansons moins connues du public. Just favorites of the band. Et que, qui sont nos favorites, nos préférées. Et on peut avoir quelques noms justement. Est-ce qu'il y a une Stone qu'on peut écouter? Can we have some titles? Ouais. Songs like Can't Let Go. You ever heard that? That was on the IM album. Not too many people familiar with that. Can't Let Go, qui est une chanson qui n'est pas très connue du grand public. What is the others? Sun Goddess, Magic Mind. Let Your Feeling Show. All of these Let Your Feeling Show, Magic Mind. Yeah. Voilà, si vous venez ce soir, si vous venez ce soir au concert, vous allez donc forcément avoir les grands tubes et puis découvrir certainement d'autres musiques également d'Earth, Wind & Fire. Je vais revenir justement sur les États-Unis, puisque aux États-Unis, en fait, vous avez également des hits. Alors, il y a ceux qu'on connaît en France. Aux États-Unis, il y a beaucoup de ballades aussi. Many ballads. After the Love Has Gone, Can I Love, etc. Qui sont beaucoup joués aussi sur un Played genre. A lot in the States. Which ones? Can I Love? After the Love Has Gone, Can I Love? With Ends. Sur un format spécifique qu'on appelle le Quiet Storm. Quiet Storm. Quiet Storm. Ouais. Quiet Storm. We do. Tim does. Reasons and Devere does After the Love Is Gone. We do those two. And then our show. Ça, c'est deux chansons, en effet. Right. The longer medley we have, that's the way the world and Can't Hide Love, but not tonight. Mais ils ne les feront pas ce soir. Non. Ils ne vont pas les jouer ce soir. Bon, ben ça sera pour une prochaine fois. Maybe for next time. Next time, for sure. Alors, on est quand même privilégié ici à Saint-Étienne, puisque si mes informations sont bonnes, apparemment, c'est le seul concert public en France. We feel privileged here in Saint-Étienne, since Heath is not wrong about his info. This is the only public show you're doing in France, right? C'est le seul. Voyez-vous qui habitez dans la Loire et la Haute-Loire, qui habitez également du côté du Rhône, c'est une raison de plus pour venir ce soir. Il reste des places si vous souhaitez voir un Sunday Night Live en concert. Vraiment, c'est unique. Tout le monde nous envie, ils sont ce soir à Saint-Étienne. This is unique, everybody has to come to see you tonight. On va revenir dans quelques instants, toujours en direct de Saint-Étienne, avec Anne McKay, ses musiciens, ils sont trois. Vous restez avec nous, surtout, on fait une petite pause. À tout de suite.